Nous sommes dans le nouvel aéroport de Pékin, le terminal 3. À noter d'ailleurs que les Chinois ne l'appellent pas le nouvel aéroport, mais l'aéroport numéro 2. Car si l'on appelle le nouvel aéroport, l'ancien devient forcément démodé et ce n'est pas du goût de tous les Chinois. Le personnel a pris des cours d'anglais pour accueillir les visiteurs au moment des Jeux Olympiques. C'est avec le sourire et dans un anglais presque parfait qu'ils nous demandent notre boarding pass. Au centre de cette allée, ce sont les départs internationaux, de part et d'autre, à droite. Et à gauche, les départs domestiques, avec des boutiques dignes des plus grands duty-free, alors que nous sommes encore dans un espace national Dunhill, Swarovski, quartier.